جورج اللي دعاني لأعطي هذه المحاضرة. Thank you, Dr. Firas, for this interesting presentation. Please, colleagues, if somebody has any question, do not hesitate. Maybe Dr. Karaki asked something. J'ai entendu dire qu'il opère les patients adolescents. Il ne faut pas attendre la fin de la croissance pour opérer. Oui, dès qu'on a le grade de RICER 1, la majeure partie de la croissance du rachis est terminée, puisque si on tarde la chirurgie, la déformation va être beaucoup plus grande. Dès qu'on a RICER 1, d'après les études, on peut opérer et une arthrodèse est possible ou pas pire. وبالتالي إذا بدنا نعمل البالانس نحن بنكون كسبانين كتير. أوكي. يمكن أنا ميوتد. No, أنا فتحت. أوكي. بنكون كسبانين كتير أكتر بكتير مما اللي بنفقده بهالكم كم سنتي اللي بنكون خسرناه. بس مش قبل الريسر آم. قبل الريسر آم عنا أوتر ميثود إذا تريتمو شيروجيكال كان ضروري. Y a-t-il une différence entre les enfants qui ont de l'infirmité motrice cérébrale et les enfants qui sont normaux? Certainement. Quelle technique t'ختلف? لأنه بالإنفيرميتي موتريس سيريبرال c'est le déséquilibre musculaire qui est la cause. حتى بقراراتنا الجراحية بتختلف. ما فينا نوقف قبل البسان. منا نأخذ قرارات كتير كبيرة. هل منا نعمل نثبت البسان؟ لأنه الهدف بيكون كتير تبعنا إنه نخليه بوزيشن أسيز بيان إكليبري. بتختلف كليا بالتعاطي بين الإنفيرميتي موتريس سيريبرال وسكوليوز إيديوباتيك أكيد. Mais il n'y a pas une limite sur laquelle on dit qu'on doit faire une opération. Par exemple, certains orthopédistes disent qu'il à 47 degrés de scoliose, il faut faire de l'opération. 47? 47, 45. Certainement. Alors, مش هو شيء بحد ذاته. في دز أنا بقول من الأربعين درجة لازم تفكر بشيروجية أكيد. هلا بين 40 و45 طبعا في عالم تنطر لل 45. في ديزارتيك بيقولوا لل 45. حتى في منهم ببلشوا الكورسي على 25 مش على 20. بس إذا نحن ما نحط شيء براسنا سامبل يكون 20 و40. Prescrivez-vous une éducation. Ah, sir. Dr. Joseph. Prescrivez-vous une rééducation respiratoire en pré-opération? Certainement pour les angles élevés, c'est pour améliorer la fonction respiratoire en pré-opératoire. Certainement. Ok. Great. Fadwa, à vous la parole. وي السلام عليكم كيفكم ماشي الحال؟ مرحب فيك دكتور حسن كركي بده يحكينا عن الفيزيوثيرابي ابروشز ان سكوليوزس واستاذ محاضر بالجامعه اللبنانيه مرحب بمشاركتك معنا وفينا نبلش هلا ميرسي دكتور دابور je remercie Ramadan Karim, je remercie tous les organisateurs de m'avoir invité. Je remercie spécialement Dr Firas parce qu'il m'a déblayé le terrain. J'étais inquiet, en 20 minutes traiter la scoliose, c'était difficile. Mais il a présenté beaucoup de notions sur lesquelles je passerai très rapidement pour s'intéresser à la rééducation et à la physiothérapie plus spécifiquement. J'aimerais dire avant de commencer que quelle qu'il soit la scoliose, inférieure à 20, plus 20, plus 40, la rééducation et la physiothérapie, elle est indiquée. Okay? Et je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Le plan de la présentation, au départ, on était parti avec beaucoup de temps, puis on s'est rendu compte avec le ramadan qu'on était coincé. Donc voilà le plan de la présentation, une introduction rapide,
redéfinir la scoliose avec une notion en plus, la déformation et son implication en physiothérapie pour démontrer une notion qui est présente chez les physiothérapeutes et pour l'éclaircir. La croissance, Dr Firas en a parlé, je passerai très rapidement. Et puis après, on s'intéressera à la physiothérapie de la scoliose, que ce soit la scoliose sans corset ou avec corset, parce qu'en fait, pour les deux, la rééducation, elle est très semblable, elle est presque identique, alors que la physiothérapie après intervention, on est plutôt dans les domaines post-chirurgicaux, dans les domaines traumatiques, et la physiothérapie, elle est complètement différente. La physiothérapie, elle est composée, ce que je vais présenter, de trois parties. Quelles sont les bases physiothérapiques chez un patient scoliotique? Il faut faire un bilan détaillé parce qu'en fait, il faudrait suivre d'une manière détaillée le patient pour essayer de repérer s'il y a un démarrage de cette scoliose, s'il y a une aggravation de cette scoliose et enfin, les techniques de rééducation. Si on a le temps, on parle un petit peu de l'orthèse. Alors, pour l'introduction, je dirais que la scoliose est un problème de société. Pourquoi? Parce qu'en France, en pédiatrie, sur 5 consultations, une l'est pour un problème de déformation du rachis et plus spécialement la scoliose. On a dit que la scoliose idiopathique est la plus fréquente, à peu près 75%. Et je remercie encore une deuxième fois Dr Firas parce qu'il nous a montré aujourd'hui qu'elle est en train de ne plus être idiopathique parce qu'on est en train d'éclairer certaines hypothèses dont on parlait depuis longtemps. Et ce que je voulais dire aussi dans l'introduction, que seuls 10%, c'est sur ces 75% des scolioses, sont des scolioses à risque, sont des scolioses qui risquent d'être avec des scolioses qui vont évoluer. Comment on sait s'il y a une scoliose évolutive? Dr Firas l'a dit, sur un radio à 2 intervalles de 6 mois, si la scoliose va augmenter de 5 degrés ou si dès le départ elle était supérieure à 30 degrés. Il a dit, Dr Firas, que la scoliose allait dans les 3 plans de l'espace, frontal, antéro-postérieur et rotation. Et là, je rajoute aussi que la 4e dimension de la pathologie, c'est la croissance. On ne peut lire et suivre une scoliose sans connaissance parfaite de la croissance. J'ai mis cette diapositive parce qu'en fait, dans notre milieu en physiothérapie, il y en a beaucoup qui disent que moi, ben, je fais guérir une scoliose. Quand tu discutes avec les gens, ils te disent voilà, c'est une vertèbre, mais c'est une vertèbre normale qui a tourné d'un côté, qui a fait une flexion, une extension, une inclinaison droite et une inclinaison gauche. Quand une vertèbre normale, elle a sa forme normale, qui a fait cette déformation dans les 3 plans de l'espace, ce n'est pas une scoliose, c'est une lésion ostéopathique. Cette lésion ostéopathique, il est vrai qu'on peut la corriger. Par contre, devant une scoliose, c'est la vertèbre elle-même qui se déforme, c'est-à-dire le corps vertébral, il va tourner pour joindre l'apophyse épineuse et l'apophyse transverse. Ça, c'est dans le plan horizontal. Mais dans le plan frontal aussi, la vertèbre, elle devient cuneiforme dans le plan antéro-postérieur aussi. Donc, la torsion scoliotique intéresse à la fois la vertèbre elle-même et intéresse l'ensemble des vertèbres l'une par rapport à l'autre. J'insiste pour dire qu'une lésion ostéopathique, c'est différent d'une vraie scoliose et on ne peut corriger, on en parlera un peu plus tard, une scoliose. D'ailleurs, le but de la rééducation, c'est d'éviter l'aggravation. On ne peut faire venir la scoliose en arrière que par un traitement chirurgical. Autant je suis contre de dire qu'on ne peut pas guérir, mais autant il faut mettre à l'esprit que le traitement, le raisonnement ostéopathique va nous aider pour soigner une scoliose.
Voilà, comme l'avait dit Dr Firas, quand la scoliose elle est dorsale, elle va entraîner aussi une déformation thoracique. Et cette déformation thoracique, elle est très, très difficile à faire venir en arrière. Comme l'a dit aussi Dr Firas, comme je l'avais dit au départ, la croissance de l'enfant est un élément essentiel à suivre. Il faudrait savoir que dès la naissance jusqu'à 18 ans, l'enfant va grandir à peu près de 120 cm, 50 cm sur la taille assise. Et c'est 50 cm qui va nous intéresser. Vous allez voir dans le bilan que nous faisons, il est important de prendre de manière régulière la taille assise, parce que si on se rend compte que sur 3, 4, 5 ou 6 mois, pendant une période de croissance rapide, cet enfant ne grandit pas, c'est que forcément, il grandit de manière non normale et il augmente le degré de la scoliose. La croissance postnatale se déroule en trois étapes et c'est des étapes non linéaires. De la naissance jusqu'à 5 ans, c'est une croissance rapide. De 5 ans jusqu'à 10 ans, c'est la croissance douce. À partir de la puberté, on a une accélération de la croissance. Et comme l'avait dit Dr Firas, à ce niveau, on a presque fini, c'est-à-dire à 11 ans chez la fille, à 13 ans chez le garçon, on a presque fini la croissance. Il a précisé une date très précise, c'est la date de début de la puberté. Il a parlé de Risser, 1, 2, 3, 4, 5. Je rajouterai un deuxième signe radiologique, c'est les sésamoïdes du pouce. Il faut faire une radiographie de la main. On a ici deux sésamoïdes. Quand sésamoïde apparaît, c'est que la fille, elle a 11 ans, elle a débuté la puberté, et le garçon, il a 13 ans osseux, il a débuté sa puberté, et pendant leur apparition, il faut être très, très prudent, parce que c'est là où il y a un risque important d'aggravation de la scoliose. Dr Firas, il a parlé aussi des signes de puberté, les signes mammaires chez la fille, la pilosité et les testicules chez le garçon. Maintenant que la question de scoliose elle est posée, allons à la physiothérapie. Il faudrait savoir que l'histoire des méthodes de rééducation dans le cadre de traitement de la physiothérapie sont relativement pauvres. Il y a des grandes écoles, l'école de Clapp, de Niederhofer, Short, Mézières, Soyer et l'école orthopédique. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'ensemble de ces techniques, mais sachez qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces différentes techniques qui sont développées. Et puis, à partir de ces techniques, nous allons poser la base de la physiothérapie chez un patient scoliotique. Et se composent 7 points. La première point, c'est la prise de conscience de la position vicieuse. Si un patient ne se rend pas compte qu'il est dans une position vicieuse, il ne va pas chercher à la corriger. C'est le premier point de la rééducation d'une scoliose. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail face à un miroir, beaucoup de travail en position quadrupédique pour que les patients puissent se prendre conscience de cette attitude vicieuse, de cette déformation pour essayer de la corriger. Et je vous montrerai des photos avec lesquelles on montre qu'on a la possibilité de réduire légèrement cette déformation. Il faut faire un travail d'assouplissement. Bien sûr, la prise de conscience, on commençait avec l'app et avec Short. Le travail d'assouplissement, ce sont des étirements de tous les muscles rétractés. C'est la base de travail posée par Mézières et par Soyer. Ce travail d'assouplissement, on ajoutera le travail de modelage de la gibbosité. Et ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, que la scoliose, on a différents types de scoliose dans le sens de leur raideur. Une scoliose raide, elle va pas répondre de manière positive à la physiothérapie, à un corset,
et même au traitement chirurgical. Par contre, une scoliose souple, elle va s'adapter avec, elle va répondre au traitement physiothérapique, par corset ou chirurgicalement. D'ailleurs, pour la chirurgie, en général, il y a une physiothérapie de manière intensive avant d'opérer les patients pour essayer de lui rendre cette souplesse. Aussi, avant de mettre un corset, avant, maintenant on le fait moins parce qu'on a des techniques qui nous permettent d'avoir des corsets super adaptés. Avant, on mettait un plâtre. Ce plâtre avait pour objectif d'assouplir cette scoliose et pour par la suite mettre un corset et avoir de bons résultats avec le corset. Donc, modelage de l'obésité short. Il faudrait un travail postural et travail proprioceptif chez Soyer, Short et Mézières Soyer. Évidemment, il faut un travail de musculation important et là, il y a un débat sur cette question. Faut-il faire une musculation globale de la rachis, c'est-à-dire du rachis du côté convexe et du côté concave? Il y a un débat. Certains préfèrent faire une musculation unilatérale, d'autres préfèrent faire une musculation d'une manière générale pour cette scoliose, pour le dos et pour les abdominaux, personnellement, pour un renforcement du rachis dans sa globalité et pour le renforcement des abdominaux également. Parce qu'en fait, il est évident que les muscles dans la concavité, ils sont rétractés, mais aussi ils vont perdre de la force de fait qu'ils sont dans une position courte. Les muscles de la convexité, ils sont étirés et ils vont perdre de la force du fait de leur position étirée pendant très longtemps. Enfin, la rééducation respiratoire, et c'est un élément très important. Heureusement, docteur va en parler par la suite de la rééducation respiratoire, donc j'essaierai de passer au plus vite sur cette question. Donc, en faisant appel à l'apprentissage, ces différentes méthodes de rééducation incitent le patient à penser sa déformation, à la corriger de manière consciente, en espérant par la suite que cet apprentissage aboutira à une automatisation des corrections apportées. Concernant le bilan d'un patient scoliotique, on a 6 étapes. Dr Firas a exposé quelques-unes. Je vais essayer de passer assez rapide sur la partie déjà exposée. Et nous avons 5 parties, le bilan statural, le bilan statique, le bilan de la gibbosité, le bilan musculaire et le bilan radiologique. Le bilan statural, et c'est quoi l'important des bilans qu'on fait régulièrement pour le patient scoliotique? C'est qu'il faudrait savoir que ça soit moins 20 degrés, plus 20 degrés ou après chirurgie, avant chirurgie, le patient scoliotique, il va rester chez nous pendant 1, 2, 3, voire 4 ans, tout au long de sa croissance. Alors, au départ, on va faire un travail poussé avec beaucoup de séances pendant un temps réduit. Après, on va le suivre, on va le voir peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Et puis, si jamais on va pour la pose d'un corset, on va faire aussi de la physiothérapie de manière concentrée. Donc, ce bilan physiothérapie est très important pour essayer de savoir si cet enfant est en train de nous faire une poussée. Il faut vite la repérer pour dire que peut-être que la physiothérapie toute seule n'est plus suffisante, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Parce que si un enfant fait un poussé de croissance et nous, on ne s'est pas rendu compte, les résultats risquent d'être très, très importants. Alors, quel est le bilan statural? Il s'agit de mesures qui permettent d'évaluer la croissance rachidienne de l'enfant et se situer par rapport à une phase d'aggravation. On a dit qu'il faut prendre la taille debout, il faut utiliser une toise pour être très précis. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la taille assise. Quand on se rend compte, par exemple, l'enfant il est en phase pubertaire,
et pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas grandi, c'est que quelque part, il y a un problème et il faut aller investiguer ce problème. Également, ce qu'on appelle l'envergure, c'est-à-dire c'est la distance entre les deux majeurs, et puis quand l'enfant il grandit en longueur, il est évident qu'il va grandir en largeur. Et quand on se rend compte que cette envergure ne grandit pas pendant une poussée de croissance, il faut tirer le signal d'alarme et il faut essayer d'aller voir le médecin pour qu'il fasse une investigation plus poussée et pour voir si cette scoliose est en phase d'aggravation rapide. Le périmètre thoracique, il est très important pour mesurer la capacité respiratoire et pour voir également si cet enfant est en guerre, est en train de grandir ou pas. Comme l'envergure a grandi, comme la taille grandit, la taille assise, également le périmètre thoracique, il faut qu'il se développe progressivement avec le temps. Également, et on prend en mesure les longueurs de membres inférieurs pour essayer de détecter s'il y a une différence, parce que souvent, une différence de longueur au niveau des membres inférieurs peut être à l'origine d'une scoliose qui passe inaperçue. L'examen statique, je ne veux pas passer très longtemps, Dr Filas en a parlé, avec un fil à plomb qu'on va s'approcher progressivement du dos de l'enfant et on va mesurer les flèches cervicales et les flèches lombaires et ils sont de l'ordre de 6 à 8 cm et il est évident qu'ils sont mesurés de manière régulière pour essayer de mettre au niveau s'il y a une aggravation ou pas. Comme on a mesuré dans le plan sagittal, on va mesurer également dans le plan frontal. Et là, on a la possibilité de mesurer cette angulation pour essayer de savoir si cet enfant va il est dans une situation de aggravation ou pas. Docteur Firas a parlé de l'évaluation de la gibbosité. J'insiste sur un point juste, que quand l'enfant il fléchit la tête, il descend les mains, il va se plier, il faut descendre avec lui pour mettre à hauteur précise pour essayer de tester cette gibbosité. Comme il avait dit, soit on mesure cette distance qui est opposée à l'autre, soit on utilise un inclinomètre qui peut nous donner cette question, cette mesure de la gibbosité. Il est évident qu'il faut faire les testings musculaires. D'abord, les testings de l'extensibilité, les pectoraux en premier, les ischio-jambiers, le psoas iliaque, parce qu'en fait, ce sont ces muscles les plus spécifiquement rétractés. Également, il faut tester la capacité des muscles abdominaux et des muscles dorsaux. Dr Firas a parlé de l'angle de Cope, je ne reviendrai pas. Il a parlé de Risser, je ne reviendrai pas. Mais je rajouterai un point sur ce bilan radiographique. C'est la possibilité qu'on a à mesurer également l'angulation. Il suffit que sur un radio de mettre signaler l'apophyse épineuse. Et là, on a un droit qui se dégage par rapport à la verticale. On peut mesurer cette angulation, cette rotation, on peut lui donner un chiffrage. Ok, là j'ai une représentation par rapport à la forme de la vertèbre sur un radio qui peut également nous donner une idée de l'importance de la rotation au niveau d'une vertèbre. Il est important de suivre ces mesures d'une manière régulière pour essayer de suivre l'évolution de cette scoliose. Les signes de Tanner, Dr Firas en a parlé, surtout chez les filles et chez les garçons sont différentes, mais ça peut donner des idées importantes. On peut s'aider de la spirométrie si on a qui mesure la capacité vitale. Et le docteur suivant, je pense qu'il va plus parler de cette question. Passons maintenant à la physiothérapie d'un patient
scoliotique, ce que je voulais dire, c'est que elle est associée à chaque type de traitement. C'est-à-dire, même si le patient il a moins 20 degrés, il faudrait faire de la physiothérapie de manière régulière et pendant une longue période. Ça permet de surveiller et ça permet d'aider ce patient. Si jamais on a passé les 20 degrés, entre 20 et 40 degrés, il faut un traitement orthopédique, il faudrait de la physiothérapie. S'il va à la chirurgie, il faut la prendre pendant une période très importante avant la chirurgie pour assouplir cette scoliose, pour modeler la gibbosité, pour faciliter le travail du chirurgien pour opérer et redresser cette scoliose. Il n'existe pas de méthode ou de protocole universel. Elle doit être adaptée individuellement pour chaque enfant, en fonction de l'âge, en fonction de l'importance de la courbure, en fonction du type de traitement entrepris, traitement sans corset, avec corset, et surtout en fonction du bilan que vous avez fait. Et en fonction de ces trois paramètres, on va essayer d'adapter notre traitement. Comme je l'avais dit et je le répète, le traitement de la scoliose s'inscrit dans la durée. Il demande une patience, il demande de la rigueur. Un point avant de passer aux techniques, l'importance des bilans également, que ce soit des bilans physiothérapiques, structurels, capacité vitale, ainsi de suite, ou que ce soit les bilans radiologiques, sont très importants pour montrer à l'enfant, pour montrer à sa famille la progression. Mais dès le départ, il faut être clair, il faut pas jouer les zéros et dire à la famille que nous, on va faire guérir, on va faire revenir la scoliose en arrière. Je pense que le but de la physiothérapie, c'est d'arrêter la progression de la courbure jusqu'à la puberté et jusqu'à la fin de la croissance. C'est ça le but essentiel. Certains diront que nous, on est capable de réduire la courbure principale. À mon avis, je pense que c'est un élément très, très difficile. Il faut surtout, quand la scoliose elle est thoracique, traiter le dysfonctionnement respiratoire, et le docteur va en parler, prévenir et traiter les syndromes douloureux rachidiens et surtout essayer dans la mesure de possible d'améliorer l'apparence par une correction posturale. Et améliorer cette correction posturale, améliorer la forme, c'est un élément très essentiel chez les adolescents et surtout les filles, parce qu'à partir de cet âge, que ce soit fille ou enfant, il accorde beaucoup d'importance à leur physique. Et quand un enfant se trouve avec une déformation importante, ça lui crée des problèmes. Donc, si on essaye, on peut améliorer sur ce point-là, croyez-moi, on apporte beaucoup pour l'enfant et pour sa famille et pour la scoliose. Maintenant, comment et quelles sont les techniques dominantes dans la rééducation de scoliose idiopathique structurelle? D'abord, l'éducation respiratoire, l'éducation et le développement de la capacité respiratoire, l'éducation posturale, les assouplissements correcteurs, la musculation symétrique pour moi ou asymétrique. Il faudrait aménager le poste de travail de l'enfant et il faudrait pas dire deux mots de la pratique du sport. L'éducation respiratoire, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais je dirais un élément essentiel que moi, personnel, je pense que l'éducation respiratoire et la rééducation respiratoire, elle est intégrée à la science de physiothérapie et elle n'est pas faite de manière isolée ou à part. Donc, quand on fait une science de physiothérapie, on fait les cinq techniques que je viens de citer, y compris l'éducation et la rééducation respiratoire. Et je laisserai à moi, le docteur qui me suit, pour présenter cette rééducation respiratoire. D'abord, j'ai dit l'élément, le premier élément, le deuxième élément,
c'est la correction posturale. Il faut que le patient... Non. Une minute. Une minute? Wow. Je vais aller vite. Correction posturale. Il faut qu'il prenne conscience qu'il y a une déformation. Il faut qu'il essaye de la corriger par un autograndissement et des pressions qui s'exercent sur les déformations. Okay. Et là, on a une photo, donc on a l'impression que ces corrections sont dans un seul plan, alors qu'ils peuvent s'exercer dans trois plans. Et là, surtout pour vous montrer que l'autograndissement et la correction, on peut quelque part essayer de jouer sur la déformation. L'assouplissement des jubosités, il faudrait s'imaginer la déformation, essayer d'exercer des pressions manuelles sur la courbure principale et sur la courbure secondaire pour essayer de diminuer la courbure, la dérouter en rotation de sens inverse et de l'amener en inclinaison. Je vais passer vite. Pour dire qu'on donne beaucoup d'exercices à l'enfant à faire à domicile, il peut faire des assouplissements tout seul. La musculation, je l'avais dit, c'était détaillé, mais je dirais un seul mot sur ce qu'on appelle l'exercice grand porteur. C'est un exercice qui va rassembler toutes les techniques de renforcement. Le patient, il est sur la pointe des pieds, une légère flexion vers l'avant, les bras de cette manière, il va faire un autograndissement en même temps. C'est très, très difficile cet exercice. Au départ, on va lui mettre une table pour qu'il s'appuie dessus et progressivement, quand il maîtrise cette position, on va aller vers une position sans appui, voire vers la marche. Tout ce travail est très intéressant, mais si l'enfant à l'école, il n'a pas un poste aménagé, il reste 8 heures assis, tout le travail qu'on fait, il va partir sans intérêt. Donc, il est important d'aménager son poste de travail. Pour le sport, je ne vais pas détailler beaucoup, mais sauf pour dire qu'à mon avis, parce qu'il y a un débat là-dessus, que l'enfant doit faire tout le sport, n'importe quel sport, surtout le sport qu'il aime. On essaye d'éviter le sport de combat et où il y a beaucoup de contraintes parce que ce n'est pas intéressant pour le rachis, mais on privilégie les sports avec élongation et surtout la natation. Je vous remercie, excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps, mais cette présentation, je vais l'envoyer à Dr. Hassan Diab. Ceux qui sont intéressés, on va leur passer parce qu'il y a une partie aussi sur les principes du corset, sur l'intérêt du corset. Et je vous remercie encore une deuxième fois. Les questions. OK, thank you, Dr. Karaki. Anybody has any question before going to the last presentation with Dr. Joseph Elmir? If anybody wants this presentation, Dr. Karaki will send me his presentation. So just mention or just send me a WhatsApp. I will send you the full presentation. So let's go to the last presentation. It's my pleasure to introduce our colleague, Dr. Joseph Elmir. Dr. Joseph is a lecturer at the St. Joseph University in Beirut. He's the most expert colleague in this field, the respiratory physiotherapy. Dr. Joseph, the floor is yours. Bonjour, ينعاد عليكم رمضان كريم. رح حاول امشي شوي بسرعة تتلحقوا الافطار. D'accord, la physiothérapie respiratoire chez les personnes scoliotiques. Mon plan sera une petite introduction. Pourquoi la kiné respiratoire? Les bilans, nos techniques, que ce soit manuelles, instrumentales ou mécaniques, avec quelques études. Donc, l'introduction, je commence parce que parfois les gens me demandent pourquoi la kiné respiratoire chez les personnes scoliotiques. Au début, il faut comprendre que le système respiratoire, il est formé d'une pompe respiratoire et d'un échangeur gazeux.
La pompe respiratoire, elle est formée de la cage thoracique, du rachis dorsal et des muscles respiratoires. Cette pompe, elle va assurer la ventilation. Par contre, l'échangeur gazeux, qui sont les voies aériennes et les poumons, qui vont assurer la diffusion du CO2 et du O2. Donc, la cage thoracique, elle est formée des côtes, de la colonne et du sternum. Elle est d'habitude, elle doit être souple et résistante. Nos muscles inspiratoires, que nous connaissons, diaphragme, intercostaux externes, scalène, parasténo, inspirateur, scum, grand pectoral, grand entelé, trapèze supérieur. Et ces muscles-là, ils ont un rôle lors de leur contraction, ils vont réaliser une expansion thoracique dans les trois plans. Par contre, les muscles abdominaux qui sont des muscles, les expirateurs, qui sont le transverse, grand droit et les obliques, et leur contraction, ils vont chasser l'air des poumons vers l'extérieur. Donc, c'est un mouvement passif, mais on l'utilise parfois activement pour quelques fonctions comme la toux. Donc, que faire en cas de déformation rachidienne et thoracique chez ces personnes-là? Avant tout, il faut commencer par examiner le patient, que ce soit par un examen clinique, par un examen paraclinique, et par la suite, il faut mettre le diagnostic kinésithérapeutique, puis la stratégie thérapeutique, et là, on doit choisir nos techniques, que ce soit nos techniques manuel, instrumental ou mécanique. Dans le bilan clinique, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme a dit Dr Harakit, tous les bilans qu'on les fait, le bilan articulaire, musculaire, morphologique, bilan de la douleur, tous les bilans là, en soulignant surtout sur la cage thoracique et les mouvements respiratoires, que ce soit la mécanique respiratoire, la fréquence respiratoire, la saturation, tous ces bilans. Et puis, on passe au bilan paraclinique. Les paracliniques, parfois, c'est les kinés qui le font s'ils ont cet outil, ou parfois, ils ont recours à des examens que le patient a avec lui, comme la saturation en oxygène, la saturation nocturne, parce que chez les personnes qui ont une grande scoliose, parfois, ces scolioses peuvent donner des syndromes d'apnée de sommeil ou d'hypoventilation ou des syndromes nocturnes. On peut voir les syndromes, on peut voir s'il a un syndrome obstructif, un syndrome restrictif, avec examen avec spirométrie qu'on demande à faire ou le patient a avec lui. Après tous ces bilans, il a des radios, il a tous ces bilans paracliniques qui sont avec lui. On peut poser notre diagnostic kiné, c'est-à-dire si cet patient a un déficit musculaire quelconque, il a une obstruction quelconque, n'importe quel trouble ventilatoire. Et selon ce trouble ventilatoire, on va passer à notre stratégie thérapeutique. Stratégie thérapeutique, qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient? Est-ce qu'on va faire seulement des techniques manuelles, des techniques instrumentales? Est-ce qu'il a besoin d'autres techniques, d'autres personnes qui doivent travailler avec nous? C'est la stratégie thérapeutique. Donc, les techniques manuelles, Dr Karake, stretching, mobilisation, on peut utiliser les techniques ACBT, c'est-à-dire Active Cycle of Breathing Technique. Ce sont des techniques comment apprendre à notre patient de respirer plusieurs fois et puis de vider en une seule fois avec le half-calf technique. Ces techniques-là, c'est pour voir la symétrie pulmonaire, pour inciter notre patient à faire une symétrie respiratoire durant ces mouvements. Par contre, la VDAD, c'est-à-dire la ventilation dirigée abdominodiaphragmatique, c'est une technique où on va apprendre à notre patient comment il respire. Parce que quand on demande à n'importe quelle personne
Allez, inspire. Ce qu'il fait soudainement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élargir son thorax. Par contre, tout le monde sait, c'est que en respirant, il faut gonfler le ventre, puis le thorax. Donc, il faut apprendre aux patients les techniques de VDAD. Le drainage autogène, comment respirer en plusieurs volumes, en plusieurs fois, un empilement de volume pour étendre cette cage thoracique, parce qu'on sait très bien que ces personnes, ils ont une raideur thoracique ou bien une raideur thoracique. Donc, et bien aussi, on doit utiliser les exercices d'autocorrection devant le miroir, comment il doit respirer, gonfler son ventre, faire attention, il gonfle à droite plus qu'à gauche. Donc, ce sont des exercices d'autocorrection que le patient doit faire aussi à la maison, lui seul. Si cette personne a un encombrement bronchique suite à sa scoliose parce qu'il a des mouvements très minimes, il ne peut pas sécréter, il ne peut pas tousser, il ne peut pas agrandir ce volume thoracique, qu'est-ce qu'on doit faire? On a des techniques manuelles, on peut utiliser ces techniques pour stimuler la respiration thoracique haute, thoracique basse, thoracique moyenne, ok? On peut les faire que ce soit avec des pressions rapides, lentes, puissante, accompagnante, avec les mains du thérapeute. Par contre, parfois, on est obligé à apprendre aux familles comment faire ces techniques-là pour aider leurs enfants à domicile. Donc, ça, c'est les techniques. Et parfois, on a des poumons qui sont mal ventilés parce qu'il a une scoliose à convexité gauche, par exemple. Donc, le poumon gauche ne respire pas bien comme le poumon contralatéral. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un positionnement en demandant au patient de prendre une inspiration assez profonde et donc par la force de soutien qui est en bas et par la main du thérapeute, izafina nchouf as-sura li tahat, le patient il est en position contre, en décubitus latéral, le poumon atteint, c'est le poumon en bas. Par contre, le poumon sain, c'est le poumon en haut. Et avec la pression du diaphragme, de la table, du main du thérapeute et sa expiration LT Gold, c'est-à-dire expiration lente, totale, glotte ouverte, donc il va faire un très plus. Par contre, cette lieu-là, le patient, il a il est sous ventilation, donc l'air va rentrer dans ces régions-là, ok, il va ventiler mieux ces régions, donc il va aider à désencombrer ce poumon-là. Donc, pour parler en 20 minutes, ça va être un peu dur, mais on a beaucoup d'instruments, beaucoup d'appareils pour aider notre patient. Là, si on peut voir, on a la spirométrie incitative, le spiromètre à balle ou à 2 balles ou à 3 balles. Okay. On a la PEP, la PEP, l'IPPB, Intermittent Positive Pressure for Breathing. Les vibrations pulmonaires, que ce soit interne, que ce soit externe, l'aérosol thérapie, la mechanical ventilation, la spirométrie, c'est le spiromètre, que ce soit débimétrique ou volumétrique, ça, ce sont des appareils où le patient doit faire une inspiration forcée. Le but de garder la balle en haut, que ce soit 1, 2, 3 balles, n'importe. Pour moi, une balle en haut, ça peut aider le patient.
que ce soit là avec un piston, le piston doit rester en haut. Donc, elle va augmenter les mobilisations thoraciques, elle va augmenter le volume intrapulmonaire. En plus, elle va augmenter le débit inspiratoire qui va générer un débit expiratoire assez grand. Toutes ces techniques, ce sont chez les patients qui peuvent faire ça et qui n'ont pas un problème, un trouble ventilatoire restrictif, comme les myopathes, comme les IMC qui ont des assez sévères. Là, d'autres techniques, c'est les PEP et les OPEP. PEP, c'est-à-dire la Positive Expiratory Pressure. OPEP, Oscillatory Positive Expiratory Pressure. Ce sont deux instruments dans lesquels il y a une balle là il y a une languette vibrante. Je viens amener le patient, il va expirer dans ses instruments et avec les vibrations générées par la balle ou par la languette, il va créer des pressions intrathoraciques positives et vibrantes. Donc, il va aider ses sécrétions à sortir. D'accord? Là, vous pouvez voir le flatter. Là, il y a une bille et le patient va générer un volume expiratoire. Et là, il va vibrer la balle. Et quand il vibre la balle, il va créer une vibration intrapulmonaire. Les intrapulmonaires, là, non. Il y a plein d'études qui ont montré que les vibrations manuelles n'ont pas prouvé leur efficacité dans le traitement du désencombrement chez ces personnes-là. On a d'autres instruments comme le IMT, c'est-à-dire l'Inspiratory Muscle Training. Le patient qui fait une inspiration assez forte, avec là, il y a un ressort. Avec le ressort, on peut agrandir le volume, la pression que le patient doit faire avec son inspiration. Le choule inspiration m'hémictir, là, on a des mouvements thoraciques dans le patient. Ok, cet mouvement thoracique qui va agrandir son thorax et qui va lutter contre la douleur et la raideur thoracique. Là, on a le patient quand il est en phase douloureuse, ma rah ya3mel expansion thoracique. On a chou badi iza kil ma badi khalli fout dans un syndrome restrictif, kil ma illi rah akhsar des volumes akthar. Kil mel hek badi kabr le volume inspiratoire, donc j'aurai besoin des techniques inspiratoires. La toux, c'est une phase très importante chez les personnes encombrées. L'amine scoliose, خاصةً les grands scoliotiques, comme le docteur Firas, les myopathes, les ont des scolioses plus de 80 à 90 degrés, même 100 degrés. Ces patients-là, ils ont des syndromes restrictifs assez importants et ne peuvent pas tousser pour se désencombrer. Les phases de la toux sont quatre phases. C'est l'irritation, l'inspiration, la compression et l'expulsion. Donc, on peut travailler sur ces phases-là. Là, j'ai une pression positive, négative inspiratoire, plus une pression positive expiratoire. Qui veut dire si cette toux elle est efficace, oui ou non? J'utilise un autre instrument qui s'appelle le peak flow. Ben, si on fait le patient avec ce peak flow, j'ai un volume, j'ai une chiffre. Et cette chiffre, si elle est supérieure à 360 litres par minute, donc je suis bien. Par contre, si elle est moins que 360, entre 270 et 360, je suis moyen. Si elle est moins que 270 jusqu'à 160, je suis atteint. Et si je suis moins que 160 litres par minute, je suis très atteint. Et selon ces chiffres-là, je peux choisir mes techniques de traitement et quel appareil utiliser. Donc, si j'ai une phase inspiratoire, un blocage et une phase expiratoire, donc je peux travailler à ces trois phases-là. Comme physiothérapeute, je n'ai pas un outil pour travailler sur le blocage respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, si j'inspire, je bloque.
pour agrandir cette pression intrapulmonaire et puis je tousse pour vider ce volume intrapulmonaire. Donc, moi, je peux travailler à l'inspiration, j'ai aucun outil pour travailler le blocage et puis j'ai plusieurs outils pour travailler l'atteinte expiratoire. Donc, comment je peux travailler ces atteintes-là? Si j'ai une atteinte inspiratoire, donc moi, comme physiothérapeute, je dois augmenter le volume inspiratoire. Par contre, je suis dans une situation un peu délicate parce que, comme physiothérapeute, je n'ai pas un outil qui augmente assez, avec un volume assez grand, nos poumons. Donc, j'aurai recours à des instruments. Ces instruments, que ce soit le ballon insufflateur, que ce soit les appareils insufflateurs comme le Bird ou bien comme les Alpha, que ce soit les Alpha 200, les Alpha 300 ou les Alpha d'autres appareils. Donc là, qu'est-ce que ces machines vont faire? Ils vont générer un volume inspiratoire dans les poumons du patient. Mais cette pression, elle est réglée par le thérapeute. D'accord? Yanné. Il va, par exemple, je mets mon patient avec un embout buccal et je mets une pression de 20 cm d'eau. Et donc, cette pression de 20 cm d'eau va rentrer dans le poumon du patient et va agrandir le volume pulmonaire. Par la suite, elle va mobiliser le thorax. Par la suite, elle va aider ce patient à faire arriver l'air dans des régions mal ventilées. Je vais amener Haïdashi parce que parfois, ou bien nous sommes sûrs que tous les patients, après une arthrodèse de la colonne, ils perdent à peu près 30 à 40 % de leur capacité vitale. Donc, s'ils perdent ce 30 à 40 % après la chirurgie, moi, je dois prévoir avec une rééducation préopératoire à agrandir ces volumes-là. Quand même, Berjaboul, ces volumes, ce sont chez les personnes assez sévères. Par contre, si quelqu'un a une scoliose de 40 à 50 degrés, il peut récupérer ça rapidement par des exercices respiratoires, que ce soit par threshold ou IMT ou n'importe quelle technique assez simple. Là, c'est l'insufflateur. Et puis, là, il y a une étude qui a montré, ça c'est en 2006, je pense, qui a montré que tous les volumes, tous les patients, ils ont utilisé les hyperinsufflations, ils ont eu un agrandissement, une augmentation de leur volume respiratoire. Okay? Que ce soit des volumes assez minimes ou que ce soit des volumes assez grands. Donc, les insufflateurs, ils sont prouvés qu'ils peuvent être utilisés. Là, une étude de Trebia et Hall qui a montré qu'avec un volume à la base qui est de 100 millilitres, c'est le volume, d'accord, il est à 100 millilitres, ok, on peut dire avec la mechanical insufflation, il a mechanical insufflation, il y en a l'alpha, il est arrivé à plus que à 250 millilitres. Donc, cette technique, elle est prouvée par plusieurs études, on a peut-être étude TENBAS. Là, la mechanical insufflator, parfois, les patients qui ont une grande scoliose, ils ont une difficulté à faire cracher leur sécrétion. Donc, on a besoin d'une autre machine. Là, il y a plusieurs machines. Cette machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Que ce soit là, le CAF Assist ou bien le Pegaso ou bien le Clearway. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va insuffler dans le poumon du patient un grand volume ou une grande pression et à la suite, elle va exsuffler, elle va aspirer cette même pression. Par exemple, si je prends un patient qui est Duchenne, il est encombré, je mets une pression de plus 40 en insufflant, puis je mets une exsufflation à moins 40, qu'est-ce qu'il va faire mon patient? Il va passer de plus 40 à moins 40 avec une pression qui est de moins 80. Donc, s'il a des sécrétions, il peut les cracher.
Là, une étude de... Dr. Joseph, de Brigitte. Non. Vous avez deux minutes. D'accord. Là, une étude de Brigitte Farouk qui a montré qu'avec la mechanical insufflation et avec une force de plus 40, on a une différence très significative chez ces patients-là. Une autre étude qui a montré qu'avec le Picaflo, c'est celle de Michel Chatwin, qui a montré qu'avec une toux spontanée, on est à 175, avec le CAF assist, on est passé à 360. Puis on a les percussions. Là, je parle de deux genres de percussions, que ce soit percussions intrapulmonaires ou que ce soit les percussions extrapulmonaires. Les percussions extrapulmonaires, comme la veste, c'est un gilet bielp sur le patient. OK, biati pression, biati une vibration extrapulmonaire. Excusez-moi, c'est extrapulmonaire. Elle peut aller jusqu'à 200 à 300 Hz par minute. Là, j'ai le percussionnaire, l'IPV, qui va donner des percussions intrapulmonaires et qui va aider le patient à augmenter le volume pulmonaire et puis à aider ses sécrétions à sortir et à les cracher. Là, c'est une étude qui montre que le patient il est en confort avec l'IPV, c'est-à-dire Interpulmonary Ventilation, Vibration, et que cette étude a montré qu'elle a des bénéfices meilleurs que notre standard CPT, c'est-à-dire nos percussions et nos vibrations manuelles. Donc, Rachalison, demain, on a parlé d'un support instrumental, parce que vous savez que nos supports instrumentaux ne restent qu'un complément à nos techniques manuelles. OK? Toutes ces techniques, c'est pour aider nos patients qui ont des atteintes respiratoires assez importantes dues à leur bien docteur Firas, bien docteur Haraki, que les scolioses neurologiques chez les patients neuromusculaires ou chez les patients atteints d'une paralysie cérébrale sont les plus grands patients qui ont besoin d'une prise en charge respiratoire assez importante. Merci. مرسي دكتور جوزيف بدي اشكركم جميعا يعني خاصه للي بقيوا لهالوقت بعد هلا عنا حل افطار si vous avez une question n'hésitez pas de poser à دكتور جوزيف اذا حدا بحب شات او نقدر نفتح الميوت اوكي thank you Dr. Joseph, thank you Dr. Karaki, thank you Dr. Firas, وإنشاءالله منشوفكم بconference تاني قريب إذا الله رد. Merci. Merci. Merci pour tout le monde. Bye. Bye bye.